Comment faire l'alemana en rock? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'alemana en rock. L'alemana, c'est quoi? C'est tout simplement un tour à droite pour la danseuse. Alors, prêt à faire un tour à droite, un alemana en rock? Allez, c'est parti! Ha! Salut, c'est Hubert pour Danser à la maison. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, retrouver du bien-être et de la confiance en soi. Allez, viens danser! Ha! Très bien, j'espère que vous avez bien dégagé la piste pour pouvoir danser l'alemana, le tour à droite pour la danseuse. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, ce n'est pas grave pour le moment. Je vous laisse le temps d'aller en chercher un. Et pour les danseuses, on va travailler l'alemana, le tour à droite. Alors, regardez. Alors, je sous-entends que vous avez le pas de base en rock. Si vous n'avez pas le pas de base en rock, n'hésitez pas à aller voir l'affiche, à aller voir la vidéo pour voir le pas de base pour le rock. Et puis bien sûr, j'avais fait aussi une autre vidéo où on commençait à voir les pas de base à deux pour danser le rock. Donc là, vous êtes danseuse, donc je vais commencer avec mon pied droit. Donc mon pas de base en sitant, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 encore, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Alors le garçon, il sera face à vous. Quand vous allez faire l'alemana, il va vous faire ceci. Il va vous faire 1, 2, 3 et 4. D'accord? Il va vous mettre votre main droite comme ceci et lui, il aura la paume de sa main gauche contre la vôtre. Et ensuite, il va vous faire un petit cercle au-dessus de votre tête pour vous faire tourner comme ceci sur 5 et 6. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est mon pied gauche qui est parti pour pouvoir tourner en gardant le rythme de base. Bonjour. D'accord. Donc regardez, si je ne m'arrête pas, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je le refais, regardez. 1, 2, 3 et 4, très petit. Et là, on n'est pas encore parti. On sait qu'on va partir, le garçon va nous pousser. Et ça va donner 5 et 6. D'accord. Encore une fois avec moi, regardez si on le fait vraiment très lentement. 1, 2, votre pas chassé. 3 et 4, presque sur place. Et ensuite, ça va donner 5, pied gauche et pied droit, 6. D'accord? 5 et 6. Encore une fois, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je suis parti un petit peu avant, mais vous avez vu le principe. Encore une fois, et vous avez vu, le garçon, il vous mettra la main comme ça, il va pousser sur votre bras, tout votre corps va partir pour tourner à droite. Donc ça va donner 3, 4 ici, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et ensuite tu vas reprendre le pas de base en arrière, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On va refaire ça très lentement, mais attention à bien garder l'alternance de pied. Donc regardez, si je le refais, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, pas de base, 1, 2, 3 et 4, allez-y, avec moi, on y va, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, dernière fois, moi je vais toujours revenir sur mon partenaire, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, très bien donc, travaillez ça à la maison, vous avez vu, on l'a fait très lentement, 1, 2, 3 et 4, la préparation, 5 et 6, c'est le tour à droite. Très bien, donc là, on a vu en solo comment ça se passe. Maintenant, on va le voir à deux avec Angélique. Salut! Allez, c'est parti! Ha! Très bien, nous sommes avec Angélique et nous sommes prêts à danser. Est-ce que vous êtes prêts à danser chez vous? Oui? Non? Bon, d'accord, nous on commence. Ok, alors, on y va, vous êtes prêts? Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, je vous mets toujours le lien. Vous savez qu'on va faire un pas de base. Alors regardez, on y va, on prend sa danseuse et on y va en arrière, ça va donner 3, 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 encore. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ensuite, on va sortir la danseuse ici face à nous. La sortie toute simple, regardez, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Vous avez vu, j'ai tourné mon buste vers ma gauche et comme ça, je dis à la danseuse d'aller face à moi. Vous avez vu, j'ai relâché dans le dos et je garde ma danseuse avec ma main gauche. De là, on va faire un pas de base et je vais préparer le tour à droite, le alemana pour la danseuse. Donc, souvenez-vous, n'importe quoi, on le voit maintenant, mais pour le alemana, je vais mettre ma main ici, paume à paume. Ça va faire une préparation et ensuite, je vais lui donner
un tour vers la droite. Alors regardez, on va aller en arrière et je vais faire 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu, on fait très petit dans les pas, on ne va pas trop vers la gauche ni vers la droite. Et je mets ma paume de main gauche avec la paume de main droite de la danseuse. Et ensuite là, je vais lui donner le 5 et 6, son tour vers la droite. Donc ça va donner 5 et 6. On le refait, ouais, regardez, je ne vais pas m'arrêter. Et donc la danseuse vient bien faire son droite-gauche-droite et son gauche-droite-gauche, ici, ça va faire droite-gauche, droite-gauche-droite, gauche-droite-gauche, hein, comme vous avez pu voir en solo. Et de là, eh ben, on va faire une reprise. Donc je vais dire à ma danseuse d'aller en arrière. 1, 2, je m'écarte, 3 et 4, 5 et 6 et 1, 2 pour le prochain enchaînement ou la prochaine figure. Ça va? On se le refait dans ce sens-là? Donc attention. On y va pour le pas de base, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, encore une fois, il y en a 3 qui n'ont pas suivi derrière, allez c'est parti, sorti, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, prépare, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, reprise, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2. Vous voulez un petit cours de rock en bonus? Alors, il y a un lien dans la description vers un cours de danse rock en bonus. C'est pour les débutants. Hein. Si vous commencez en rock, c'est pour vous. Le lien est dans la description. Un petit bonus vidéo gratuit. Allez, vas-y. Ha ! Très bien, on va se mettre de dos pour que vous puissiez voir comment ça se passe hein, si on est de dos pour que les danseuses et les danseurs, hein, vous ayez un petit exemple. Donc, je fais le même enchaînement pour le tour à droite danseuse, le Alemana. Attention, 3, 4 et 1, 2. 3 et 4, 5 et 6 encore, 1, 2, 3 et 4, et on y va, et sortie danseuse, 3 et 4, 5 et 6, préparation, 3 et 4, 5 et 6, reprise, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2. On va le faire un peu plus rapide, t'es prêt? Alors attention, donc ça va donner 1, 2, 3, 4 et 1, 2. 3 et 4, 5 et 6 encore, 1, 2, non, pas de base. Sortie danseuse et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, préparation. 3 et 4, 5 et 6, reprise. 3 et 4, 5 et 6 et 1, 2. Hey, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air. Je vous remercie. Très bien, on y va dans cet angle-là. Prêt? D'accord, prenez un café. Oui, c'est bon. Attention, même chose, on y va, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4, encore une fois, et 1, 2, 3 et 4, sortie danseuse, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, préparation, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, attention, on n'y va pas trop comme un bourrin, hein, quand vous allez faire le Alemana, on y va tout doucement, on attend de préparer, c'est parti, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, là on y va tout doux, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Très bien, vous avez vu, hein, ce qu'on fait, hein, c'est que je fais vraiment un tout petit cercle hein, au-dessus de la danseuse et je ne fais pas en aucun cas, comme ça, on va lui arracher le bras et lui arracher la tête, ce n'est pas la peine. Ça va? Donc, mettez la vidéo en pause. Et vous recommencez tout ça à la maison avec vos amis, votre mari, votre amant, enfin qui vous voulez. Et ensuite on y va en musique. Prêt? Alors c'est parti! Ha!
Génial, j'espère que ça s'est bien passé pour l'Alemana, hein, le tour à droite pour la danseuse. Vous y allez très tranquillement et vous allez voir, je suis sûr que vous allez y arriver dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et puis n'oubliez pas, il y a un petit bonus vidéo, un petit cours de danse rock pour les débutants. Le lien est dans la description ou alors ça apparaît à l'écran. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !